Bonjour. Bonjour. Nous nous trouvons à Cannes, à bord du FISA 42. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce bateau ? Oui, bien sûr. Donc le FISA 42, donc 42 pieds, 13 mètres. Un bateau de croisière spécial pour les propriétaires, un bateau de propriétaires en fait. Donc il regroupe à la fois un côté très marin, un côté très confortable et surtout un côté très sécurisant pour tout ce qui est manœuvre. Et donc un bateau à taille humaine en fait. C'est un chantier qui se trouve où ? Alors le chantier FISA se trouve à Canet-en-Roussillon dans le 66, à côté de Perpignan. Alors aujourd'hui vous avez le 42, est-ce que vous avez des projets à venir ? Oui, donc nous sommes sur un projet d'un FISA 15, donc un bateau de 15 mètres, qui va être dévoilé à Gênes, au salon nautique de Gênes, dans le mois prochain je crois. C'est un bateau qui existe déjà réellement ? Du tout, on est parti d'une feuille blanche, donc on en est à l'étape des plans, et c'est un bateau qui devrait être présenté physiquement à Cannes l'année prochaine, en 2009. Alors, parlez-nous un petit peu du positionnement de votre chantier. Alors, positionnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est un bateau vraiment de propriétaire, modulable, qui a donc ses avantages peut-être par rapport aux autres, ou du moins nous on a essayé de regrouper donc le côté marin, le côté sécurité, le côté confort, de faire l'alchimie de tout ça, c'est pour ça que FISA a l'alchimie. Et un pari que l'on a gagné, puisqu'aujourd'hui nous fabriquons le 11e depuis à peine 5 ans. Alors, est-ce que ce sont des bateaux qui sont adaptables à la demande du client ? Complètement, complètement, et c'est ce qui fait un peu notre force, car on propose aujourd'hui donc un bateau entièrement modulable, soit par l'intérieur, soit les aménagements, couchette, pas couchette, atelier, pas atelier, les différences d'essence de bois, les différences de coloris, de voile. On propose à nos clients une customisation, si on peut appeler ça comme ça, de leur propre bateau pour qu'ils aient leur bateau unique. Ce ne sont pas en fait différentes options à choisir aux différents plans, c'est vraiment le client qui choisit ce qu'il veut. Voilà, complètement. Nous, on est ouvert à toute proposition dans la mesure où on ne dénature pas et on ne fragilise pas la structure du bateau. Alors, en termes d'essence de bois, vous utilisez quelles essences ? Tout type d'essence, ça va de l'orme au Canadian Maple, l'érable, le noyer, le chêne. Là également, c'est au choix du client. C'est un bateau avec des dérives sabres. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? Très simple, c'est qu'aujourd'hui, pour simplifier, il y a deux sortes de catamarans sur le marché. Il y a les catamarans à dérive et les catamarans sans dérive. Les catamarans sans dérive sont pour une certaine clientèle. Un catamaran à dérive mais sabre sont plus pour une clientèle plus précise sur le côté marin. C'est des bateaux à dérive, donc, un peu mieux au près, etc., etc. Donc pour des navigateurs un peu plus avertis. Philippe, merci pour toutes ces informations. Mais de rien, un plaisir.